sur les décorateurs, j'ai décidé d'innover un peu sur le format et d'expérimenter et de faire une présentation sans aucune slide. Et les deux seuls supports que j'ai, c'est un navigateur et un éditeur. Et c'est pour faire un peu comme si je vous expliquais ou si j'expliquais à un collègue qu'est-ce que c'est que les décorateurs, en codant un petit peu et en voyant des exemples. Donc, des décorateurs, je ne sais pas si qu'est-ce que c'est le niveau dans la salle. Donc, j'ai commencé par vous montrer quelques exemples qui sont assez communs. Donc, ah oui, d'abord, il faut que je me présente. Donc, je m'appelle Alexis Benoît. Et je bosse dans une boîte qui s'appelle Asae. Hop, c'est pratique de taper avec un micro. Ok. Donc, des premiers exemples de décorateurs. Donc, un exemple très très connu de décorateur qu'on a, c'est les décorateurs qu'il y a dans Flask. Donc, on peut voir un exemple. Si on fait Flask, on tombe sur le site de Flask. Et on a un premier exemple de décorateur. Donc, on voit que pour toutes les routes de Flask, on utilise un décorateur pour enregistrer cette route. Donc là, c'est un décorateur où sur la route slash, on met la fonction hello qui prend un nom et qui retourne une string avec le nom. Donc ça, c'est un premier exemple d'utilisation de décorateur. Après, un autre décorateur qui existe, qui est assez connu et que j'aime bien, c'est le LRU cache. Le LRU cache, c'est un décorateur qui se met au-dessus d'une fonction, donc comme beaucoup de décorateurs. Donc il fait partie de FunkTools. Et si on va dans LRU cache, c'est lui. Donc on le met juste au-dessus d'une fonction, mais juste un petit décorateur, un petit arrobase LRU cache, et au-dessus de la fonction. Et ça permet de cacher le résultat de la fonction et de faire en sorte que si on appelle plusieurs fois la même fonction avec les mêmes arguments, on réappelle pas en réalité, toujours la fonction. Et LRU, ça veut dire least recently used. Ça veut dire qu'on va uniquement garder en mémoire les derniers appels pour pas que le décorateur utilise trop de mémoire. Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Un autre exemple qu'on a pour les décorateurs, c'est le patch en Python. Alors, sinon, faut mettre Python, sinon on tombe sur n'importe quoi. Donc ça vient aussi de la librairie standard. Et si on prend le patch, donc là on voit un exemple, c'est en fait au-dessus de la fonction, on dit qu'on va patcher une classe, et lui, ce décorateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va injecter en tant qu'argument les classes qu'on a patchées, et ça permet d'avoir un comportement différent sur ces classes. Et par exemple, si on avait une classe, on peut par exemple vérifier que la classe, elle a bien été appelée. Et on peut utiliser une classe avec un comportement différent à l'intérieur de notre test. Alors là, on a vu beaucoup d'exemples de décorateurs sur des fonctions, mais il y a aussi d'autres types de décorateurs qui vont sur des classes. Alors il y en a un, c'est Total Ordering. C'est quand on a des classes avec des relations d'ordre et qu'on n'a pas envie d'implémenter toutes les fonctions magiques et qu'on a envie d'implémenter que deux fonctions magiques, par exemple, on a envie d'implémenter que le égal et le plus petit que, il va générer toutes les autres fonctions automatiquement. Total ordering. Ça fait aussi partie de FunkTool. Et Total ordering, donc là on voit un exemple. Si on voit la classe student, ou qu'on peut ordonner, et en fait on n'écrit que la méthode égal et la méthode plus petit que. Et on peut quand même les ordonner avec un plus grand que ou un plus grand que ou égal. Donc on n'a pas à faire, on n'a pas à écrire toutes les fonctions différentes pour les ordonner. Et on a juste plus petit et égal. Et en fait, on voit que là, ce décorateur, c'est un décorateur de classe. Et on commence à voir un peu son comportement. C'est qu'il prend cette classe. Et il va retourner une autre classe. Il va vraiment modifier le comportement de la classe. Et j'ai un dernier exemple qui est dans la dernière version de Python.
c'est les data classes. Donc en Python 3.7, il y a les data classes. Et en fait, ça, c'est des objets qui sont très très sympas parce que juste en mettant des annotations sur un objet, eh ben, on va pouvoir générer le constructeur et avoir des objets pour manipuler des data, enfin avoir des objets simples en Python, ou pour manipuler des data et passer des données typées à l'intérieur du programme. Donc on met juste un décorateur data class au-dessus et on met ses attributs qu'on veut, son nom, son prix et la quantité et le type de l'objet. Et lui, il va générer tout automatiquement. Donc ça, dans la deuxième partie de la présentation, on va implémenter un morceau simplifié de décorateur data class, juste un truc très très simple et qui se base sur la librairie de base, mais comme ça on peut voir un peu comment ça marche. Et donc bien sûr on ne refait pas tout le code parce que quand même dans les data class il y a 1200 lignes de code, donc on va faire un micro exemple là-dessus. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler, donc je voulais vous parler des qu'est-ce que c'est qu'un décorateur en théorie, parce que là on a vu plein d'exemples de décorateurs en Python, mais si on tape décorateur et qu'on regarde dans Wikipédia, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde sait que Wikipédia, c'est la vérité. Et si on prend décorateur patron de conception, donc on voit que c'est un patron de conception, c'est-à-dire que c'est une solution connue à un problème donné. Et ce qui est super intéressant dans la définition de Wikipédia, c'est qu'en fait, on parle d'attacher dynamiquement des responsabilités à un objet. Alors qu'en fait, dans Python, quand on a une vision de Python, on pense plutôt en premier à des fonctions, même si c'est possible de le faire dans une classe. Et donc, en fait, ça permet d'offrir une alternative à l'héritage qui est souple et qui est du runtime au lieu d'être du compile time. Et historiquement, en fait, ça date de 1994. Ça vient du Gang of Four, dans leur bouquin sur les 23 design patterns. Ils ont créé ce patron de conception. Mais après, si on regarde dans un contexte Python, qu'est-ce que c'est qu'un décorateur? Donc, ce qui est pas mal dans Python, c'est qu'il y a un glossary, donc les termes sont définis. Et si on regarde, qu'est-ce que c'est qu'un décorateur dans le glossary? Alors, dans le glossary de la dernière de Python 3.8, et là, si on regarde décorateur, il faut mettre un accent. Là, on a une entrée décorateur. Et là, ce qui est marrant, c'est que par rapport à Wikipédia, on a la vision plus Python où on dit « Ouais, c'est bien une fonction qui retourne une autre fonction. » Et ce qu'il dit juste après, c'est que les deux syntaxes qu'on a, soit on définit une fonction et on applique un static method dessus juste en appelant une fonction. Donc, c'est bien une fonction qui retourne une autre fonction. Donc ça, c'est le truc à se rappeler sur les décorateurs. C'est un décorateur, c'est une fonction qui retourne une autre fonction. Et ce qu'on voit dans cette doc, c'est que pour rendre le truc plus sympa que d'avoir ça, on met un arrobase et on retourne simplement et ça permet de modifier la fonction en place. Donc bon, maintenant, on va écrire un peu de code. Donc j'avais prévu qu'on commence à faire les décorateurs sur les fonctions et faire pas mal d'exemples de décorateurs sur les fonctions, et après qu'on fasse des décorateurs avec des classes, et ensuite qu'on voit des décorateurs dans un autre langage. Mais ça, c'est si on a le temps. Alors, donc là, on a la fonction à peu près la plus simple au monde. On a une fonction qui print hello. Donc on va commencer par faire un décorateur. Donc ce qu'on a dit, c'est que un décorateur... Est-ce que ça vous dérange si je pose le micro? Est-ce que vous m'entendez tous? Parce que pour taper, c'est vraiment pas pratique pour faire des recherches. Ouais, vous entendez? Ouais. Ok, ben je vais l'approcher. Je vais l'approcher. Donc là, en fait, on peut faire une fonction qui va retourner une fonction. Donc notre décorateur, on l'appelle décorateur, et il prend une fonction. Et on va définir notre nouvelle fonction. Nouvelle.
Oh là là, je fais du franglais, c'est terrible. Hop, on va le faire que en français, du coup, vu qu'on a commencé comme ça. Nouvelle fonction. Et ce qu'on va faire pour faire quelque chose, c'est qu'on va juste faire quelque chose avant la fonction. Donc, on va printer quelque chose avant et on va printer quelque chose après. Et entre les deux, on va exécuter notre fonction. Et il faut que je le mette en français. OK, et cette fonction, on va juste la retourner, notre nouvelle fonction. Et en fait, on va commencer par ne pas utiliser la nouvelle syntaxe des décorateurs. Et on va juste faire une fonction qui prend une fonction et qui la retourne. Donc notre hello, on va le redéfinir avec notre décorateur et en prenant hello lui-même. Et on peut appeler hello. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit si on exécute ce fichier-là? On voit avant. Donc en fait, plutôt que d'avoir hello, on a notre nouvelle fonction où on voit avant, où on voit notre fonction qui fait un hello et notre fonction après. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de décorateur le plus simple au monde. Mais après, on peut se poser une autre question. C'est si, au lieu d'avoir notre décorateur, enfin, si notre fonction a des arguments. Donc là, dans ce nouveau fichier, j'ai exactement le même décorateur, mais la fonction, ah oui, ça, je vais vous le montrer aussi. Donc en fait, ouais, je peux vous montrer la syntaxe du décorateur. Donc là, on peut prendre ça et le mettre au-dessus. Et c'est décorateur. Et on exécute. Donc là, j'ai réexécuté le fichier et on voit qu'on a exactement le même résultat avec les deux syntaxes. Donc là, le décorateur, il a juste pris cette fonction, il l'a embed dans une autre fonction avec le décorateur qui est celle-ci. C'est cette nouvelle fonction qu'on a retournée plutôt que d'avoir cette fonction-là. Donc la question d'après, c'est avec les arguments. Si on a des arguments, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'ai pris exactement le même décorateur et là, je vais faire tourner ce code. Et là, on voit qu'on a un problème. Notre nouvelle fonction, elle prend 0 argument positionnel, mais on lui en donne 2. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est prendre, juste mettre xy dans notre nouvelle fonction et les passer à la fonction d'en dessous. Donc là, on voit bien qu'on a réussi à exécuter notre nouveau décorateur. Une autre question qu'on peut se poser, c'est si on avait aussi une fonction hello à côté, qu'on décorait aussi, et ben, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Et que, bien sûr, on appelle notre fonction hello. Donc là, on a une erreur, parce que d'un côté, on a une fonction qui prend 2 arguments, de l'autre côté, on a une fonction qui prend 1 argument, et donc du coup, notre décorateur, il prend 2 arguments. Donc là, il faut faire quelque chose qui est plus dynamique, et on va utiliser un étoile args. Et là, on a bien passé et il y a tout notre code qui passe. Donc en fait, notre nouvelle fonction, si on veut prendre des arguments qui sont arbitraires, c'est bien de lui donner un étoile args et un étoile kwargs s'il y a des arguments clés-valeurs. Donc là, en fait, on a notre code qu'on a un peu amélioré avec le kwargs et on a notre hello et notre add. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire dans ce bout de code-là, c'est printer le résultat de notre add. Et en fait, là, on voulait voir le résultat de notre add et on a un none. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est juste que notre fonction qu'on a appelée là, ben, on l'exécute bien, elle peut bien printer des choses, mais on ne prend pas sa valeur en mémoire. Et on ne la retourne pas. Donc, on peut l'enregistrer dans une variable et retourner notre valeur. Et là, on a bien retourné notre 2.
Il y a un autre point qui est super intéressant, c'est si notre fonction, on essaye de printer son nom, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, le nom de la fonction qu'on a, c'est new function. Et du coup, si on veut débugger ou savoir d'où elle vient, eh ben, c'est pas pratique. Donc il y a un truc super simple qu'on peut faire, c'est prendre notre new function et lui attacher un attribut magique name qui est le nom de la fonction par le même mécanisme. Name88. Ok, donc là on voit bien que le name qu'on print, il est bon maintenant. Mais en fait, il faudrait aussi faire ça pour les docstrings. Parce que si on avait une docstring, on ne la recopierait pas. Donc en fait, ce qu'on peut faire simplement, c'est que functool offre un décorateur, c'est assez cohérent en fait, pour recopier les métadatas de notre fonction. Et il y a un S à wraps. Et il y a un functool.wraps. Donc on peut réexécuter notre code et on voit bien qu'on a la bonne valeur de retour. Alors là, j'ai un deuxième exemple amusant. C'est en fait, j'ai fait deux décorateurs qui sont exactement pareils, à part qu'il y en a un, c'est le numéro 1, et le deuxième, c'est le numéro 2. Donc j'ai un décorateur 1 puis un décorateur 2 qui, avec ma fonction hello. Et donc, du coup, je vous ai mis les différents ordres possibles. Split and move right. Et on va prendre le 5 de ce côté. Donc, quand vous voyez ce code applicatif-là, décorateur 1 puis décorateur 2, et on a différentes possibilités. Alors maintenant, je vais vous demander de voter. Et est-ce que vous pensez qu'on a plutôt la première solution? Qui pense qu'on a la première solution dans ce qu'on voit? Personne. OK. Qui pense qu'on a la deuxième solution? OK, il y a genre une dizaine de personnes. Qui pense qu'on a la troisième solution? Une personne. Et la dernière? Personne aussi. Ouais, donc en fait, on va exécuter, mais la majorité avait raison. Donc comme quoi, la démocratie, ça aurait marché dans ce cas-là. On a bien begin 1, begin 2, hello. Et puis, en fait, ce qu'on voit, c'est que notre décorateur, ça, c'est comme si on avait une autre fonction qu'on avait décorée avec décorateur 1. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on rentre d'abord dans décorateur 1, on print notre begin 1, puis on rentre dans fonction, qui est notre fonction décorée avec décorateur 2. Donc on rentre dans décorateur 2, on fait notre print 2. Ensuite, on rentre dans notre function, qui est hello. Donc on print notre hello. On fait le n2. On ressort de décorateur 2 et on était dans décorateur 1. Donc on print que c'est notre première fin. Et on a fini. Donc ça, c'était pour l'ordre d'utilisation des décorateurs. Donc la règle, en fait, c'est que le premier décorateur à s'appliquer sur la fonction, c'est le décorateur du bas. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, cette syntaxe, c'est exactement comme si on avait fait hello égale décorateur 1 de notre hello déjà décoré. Et si on n'avait pas eu le décorateur d'au-dessus, ce que ça aurait fait, c'est qu'on aurait eu hello de décorateur 1, décorateur 2. On aurait décorateur 1 qui est appelé sur décorateur 2, qui est appelé lui-même sur hello. Donc, en fait, le premier décorateur à être appliqué à la fonction, c'est celui qui est le plus proche. Et ça, ça peut être intéressant pour avoir du caching. Si on a un décorateur, si on a un décorateur de cache et qu'on a un décorateur qui est long à s'exécuter, ça peut être intéressant de mettre le décorateur de cache au-dessus pour ne pas avoir à réexécuter l'autre décorateur plusieurs fois. Mais là, en fait, on voit qu'avec le code qu'on a fait, en fait, on a clairement du code qui est dupliqué entre nos deux décorateurs. Donc, en fait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une syntaxe
où on appelle juste notre décorateur 1. Est-ce que ça... Ah, ça marche ici, ça c'est bien. On appelle juste un décorateur et qu'on a un code unifié pour... Ouais, c'est pas mon ordinateur, donc c'est beaucoup moins pratique. Où on appelle nos deux décorateurs sur... Enfin, et qu'on partage vraiment le code entre nos deux décorateurs. Donc là, en fait, on voit qu'on a rajouté un appel de fonction. Vu qu'on a rajouté un appel de fonction, il faut qu'on ajoute une nouvelle fonction qu'on va appeler décorateur. Et ce décorateur, du coup, il va prendre un argument qui est le nom du décorateur parce qu'on lui donne comme argument le nom du décorateur. Alors, pour lui donner un nom qui a un peu plus de sens, on va l'appeler décorateur factory. OK, et on fait notre refactor. Donc là, on l'a appelé décorateur factory, ça veut dire que c'est une fonction qui va retourner des décorateurs spécifiques. Et on peut retourner notre décorateur. On retourne notre décorateur et on peut exécuter notre code. Et on voit bien qu'on n'a que des 1 parce qu'on a laissé tous les 1. Et donc, du coup... Ah, merde. Et donc, du coup, on peut faire une fstring pour mettre notre nom ici et une fstring pour mettre notre nom là. Et on peut réexécuter notre code. Et voilà, donc là, on a bien nos deux décorateurs qui partagent le code et qui sont quand même customisés. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a rajouté une couche de factory au-dessus du décorateur. Donc là, on a trois couches. On a trois couches. On a, en premier, on a notre fonction qu'on va retourner, qui est elle-même dans un décorateur. Et le décorateur, il est configuré par une factory de décorateurs qui permet de retourner le décorateur bien configuré. OK. Donc là, en fait, je vais vous montrer un tout petit exemple. Donc, on ne va pas aller hyper loin sur le décorateur avec les classes. Mais en fait, ce qui est important de se souvenir, c'est que avec les classes, c'est exactement le même système. Et on décore une classe pour retourner une nouvelle classe. Donc si on fait notre classe et que, par exemple, là, on a un data class et on va exécuter ce code-là. Donc en fait, on a deux tests. On a une classe A où on lui met un attribut S et on a une deuxième classe où on lui met un attribut S et un attribut D. Et en fait, on peut faire une fonction dataClass. Donc là, en fait, on utilise le dataClass standard de la librairie standard. Mais juste pour vous montrer, pour le principe, ce qu'on peut faire et comment ça marche dans le principe un décorateur de classe, c'est juste on prend en argument la classe au lieu de prendre la fonction. Et là, on peut faire un truc tout bête qui est d'hardcoder simplement la classe A et de lui faire son init en lui donnant l'argument S. Self.s égale S et de retourner notre classe A. Et donc là, en fait, avec cette méthode hardcodée, on a déjà notre premier test qui passe. J'ai encore combien de temps? OK. Donc, je vais faire la conclusion. Du coup, je vous aurais bien fait le décorateur qui est complet, enfin le data class complet. Mais en fait, on a vu différentes utilisations des décorateurs. Donc, on a vu que ce qui est important de se souvenir, c'est qu'un décorateur, c'est une fonction qui retourne une fonction avec une syntaxe qui est très, très élégante en Python. Et c'est possible de le configurer avec une factory à chaque fois qu'un décorateur prend des arguments, on a une factory et on a cette structure avec trois étages. Et ça peut avoir l'air compliqué, mais au final, c'est plutôt logique. On a la factory, le décorateur et la fonction. Bon, ben, merci. Et pour les classes, ça marche exactement et pareil. Et si vous avez des questions, vous voulez discuter, vous voulez que je vous montre l'implème complète, on peut en discuter dans le couloir.